Brigitte Alain, bonjour. Merci d'avoir à nouveau répondu, d'avoir répondu à Canal Pour cet entretien. Ça, c'est vrai, ça fait la cinquième ou sixième fois. Quasi régulier, mais en juin, on n'avait pas pu vous avoir parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Voilà, je vous prie de m'en excuser d'ailleurs, mais on a dû annuler. Voilà, pour votre mandature et puis des raisons personnelles. Donc, je suis avec Gilles qui est déprimé. on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, hein, on va évoquer, on va faire un tout petit retour en arrière pour évoquer un petit peu votre travail de député. Et vous allez bientôt entamer votre dernière rentrée de votre mandat. Voilà. Je vais commencer par une question que vous avez posée à l'Assemblée au mois de juillet, qui intéresse de près ou de loin et de près Canal Pourpre. Parce que je ne sais pas si vous avez eu la réponse, mais je ne pense pas. Une question relative aux difficultés des radios locales face aux baisses de subventions drastiques. Je ne sais pas si elles sont drastiques, mais des baisses de subventions visiblement très importantes qui risqueraient de nuire aux radios locales associatives. Donc c'était bien radio locale, on ne parle pas élargi aux radios locales. Mais pourquoi avoir attendu, enfin pourquoi maintenant, pourquoi en juillet vous avez posé cette question? Question écrite d'abord, hein, et donc comme toute question écrite, on attend la réponse qui doit normalement intervenir dans les 2-3 mois. Ah bon? Donc je n'ai pas la réponse, c'était une question écrite, je n'ai pas la réponse. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai pris le temps de reprendre les questions écrites que j'avais posées et celles sur lesquelles je n'ai pas de réponse, certaines remontent du mois d'avril. Donc effectivement, je vais me permettre de relancer les cabinets ministériels pour leur dire, c'est vrai au niveau du ministre de la Santé, donc c'est vrai pour celle-ci. Novembre 2015, c'est ça, Marisol Touraine, la question à Marisol Touraine. Oui, alors celle-ci, elle était posée, j'ai eu ah une bon réponse. Ah bon, parce que la réponse n'est pas là. Dans votre papier. Il y a la question. Ça, c'est une question que j'ai posée. À propos de la désertification médicale. Voilà. Alors là, que j'ai posée d'ailleurs à ce qu'on appelle, dans le jargon de l'Assemblée nationale, une question orale sans débat. Ah. Ça se passe dans l'hémicycle. Et en fait, on a 2 minutes pour poser la question à un ministre qui, lui, a le même temps pour répondre. Mais nous avons encore 30 secondes pour relancer la question ou critiquer sa réponse. Et effectivement, oui, mais tout le temps est comme ça à l'Assemblée. Oui, hein, c'est très très peu de temps. Hein, donc il faut avoir travaillé effectivement la façon dont on va poser la question de façon à dire un maximum de choses en 2 minutes. Et donc effectivement, je n'étais pas complètement satisfaite de sa réponse. Mais je m'attendais un peu, malheureusement, parce que de fait, je regrette qu'à un moment donné, on n'ait pas posé le réel problème de la désertification médicale. Aujourd'hui, il y a des aides qui sont apportées pour encourager des médecins à venir dans les zones désertifiées par les médecins. Pas seulement en rural, hein, qu'on soit très clair. Il y a des villes qui plaisent, d'autres pas. Je ne sais pas pourquoi le Bergeracois ou la Dordogne ne plaît pas, parce que quand on voit le nombre de touristes qui viennent ici, voire de gens qui y vivent presque la moitié de l'année, voire plus, et tous les retraités qui viennent parce que ce pays est justement attractif. Alors, on reprend, je vais faire la jonction. Oh. C'est bon? Ça va? Oui. Bon, on a une petite coupure technique, peut-être que ça va à nouveau. On est en train d'évoquer le fait qu'il y a une désertification médicale et vous vous étonniez en disant qu'en Dordogne, il y a quand même des touristes. Parce que pour en rester à cette question, donc Marisol Touraine vous a répondu sur le moment, oui, dans l'Assemblée. Oui, tout à fait. Elle a répondu les mesures qui ont été mises en place par ce les gouvernement, trucs, qui sont importantes, effectivement. Ce sont d'accord. des mesures d'incitation pour que des médecins aillent dans des zones qui sont peu fréquentées. Malheureusement, nous voyons que ça prend beaucoup de temps encore à se mettre en place. Et donc, moi, je dis à un moment donné,
quand on fait des études de médecine, on bénéficie, comme les enseignants d'ailleurs, de longues études par rapport à d'autres personnes. Oui. Et certes, on donne de soi, mais l'État permet à des personnes de pouvoir faire des études. Il pourrait y avoir un engagement des médecins à rendre cela. Les enseignants, on leur dit, vous allez enseigner dans tel lycée, dans tel collège, ils y vont. C'est un service quand même important, la santé, et c'est pas normal que dans un pays, alors oui, je le disais, qui est justement attractif, beaucoup de jeunes retraités viennent dans ce département, dans cette région Aquitaine, parce que le climat, parce que plein de choses, certainement, parce que c'est convivial, je suppose, et donc il n'y a pas de raison que des médecins n'y trouvent pas eux aussi leur compte, en quelque part. Donc la citation que vous mettez entre guillemets, vouloir que les médecins s'installent à la campagne, c'est bien. Les amener à s'installer, tout simplement, c'est mieux. C'est vous qui avez dit ça ou c'est Marisol? Non, c'est vous. Alors, c'est moi qui ai dit ça en disant... C'est une critique pour le côté local, parce que vous estimez qu'on ne les aide pas à s'installer, tout simplement? Je considère simplement que, pour l'instant, les mesures qui ont été prises ne sont pas efficaces, donc il faut certainement... Même à Bergerac, alors que c'était plutôt bien parti, non? Bergerac, vous le savez, on manque de médecins, on manque de spécialistes. Il y a eu un truc là, en juin, mai-juin, il me semblait que la mairie avait... La mairie est en train de réfléchir à un projet pour faire venir des médecins salariés, mais ça ne se décrète pas comme ça, ça se traite. Je crois qu'il y en avait déjà deux qui étaient dans les tuyaux. Moi j'en ai parlé avec monsieur le maire récemment, alors sauf si c'est très récent. C'est fait depuis 8-10 jours, mais j'en ai parlé il y a deux semaines de ça avec monsieur le maire de Bergerac, ce n'est pas encore fait. D'accord. Il y a des pistes, et quelque chose qui est notable, il me dit, ils sont en train de négocier les salaires à la hausse. Évidemment, donc à un moment donné, jusqu'où on va aller? D'accord. C'est pas normal cette surenchère, donc en quelque part, il faut trouver d'autres solutions, et donc je pense que ce problème de la santé est encore en chantier, et qu'il faut... Surtout qu'à Bergerac, c'est quand même une solution particulière, puisque c'est sur financement public, ils seront salariés de la mairie de Bergerac, c'est pas des médecins indépendants qui s'installent, en plus ça reste à Bergerac, c'est pas toute la circonscription, c'est encore... Alors j'en ai parlé avec l'ARS, quand ces médecins sont salariés d'une collectivité, ça s'est fait à certains endroits, bien évidemment, après la sécurité sociale rembourse, très souvent les mairies sont obligées d'investir beaucoup plus ne vaudra le remboursement, et puis surtout, ce que me disait monsieur le maire, qui interpelle, c'est que il y a une forme de surenchère au salaire, mais tout comme quand je suis allée rencontrer la directrice de l'hôpital, me disait qu'aujourd'hui on trouvait plus facilement des cardiologues intérimaires, parce que finalement ils préfèrent parce qu'ils négocient leur salaire. Finalement, la responsabilité de l'hôpital ne leur incombe pas, ils étaient là à ce moment-là, c'est quand même une situation qui doit nous interpeller. Je considère que oui, le gouvernement a mis des choses en place, a tenté justement de résoudre cette question en aidant financièrement des médecins qui viennent s'installer dans des zones qui sont désertifiées au niveau médical, ça ne répond pas assez vite, et malgré tout, l'été, notre population double, voire triple, voire quadruple à certains endroits, il faut quand même, et puis toute l'année, nous avons besoin de médecins. Voilà. Alors du coup, on a coupé ton histoire de radio, là. On en revient aux radios locales, donc la question que vous avez posée en juillet, c'est les radios de Bergerac 95, Radio Valais, qui vous ont sollicité, ou c'est vous qui avez réagi à une information que vous aviez eue à l'échelon national? Oui, j'avais été interpellée par une des radios locales de Bergerac par la situation. Bon, d'abord, je ne sais plus laquelle. Et en tous les cas, d'abord interpellée par le fait que les subventions locales, territoriales, que ce soit des collectivités locales, mairies,
mais aussi communauté d'agglos, département, etc., baissent. Les compétences ont été redistribuées, etc. Et s'ajoute à ça l'inquiétude de baisse de financement aussi public d'État. Et donc, m'avait interpellée sur le sujet. Donc, en général, quand on m'interpelle et que, bien évidemment, je n'ai pas toujours la réponse du pourquoi, du comment, est-ce que ces soupçons de baisse de financement sont avérés ou pas, bien j'interroge le gouvernement par un des moyens qui nous est donné, la question écrite. La question écrite, effectivement, il y a obligation de la part du ministre de répondre dans les, normalement c'est 2 mois, mais bon, 2-3 mois, on va dire. Et donc là, vous pensez qu'il y a une réduction, évidemment, volontaire du gouvernement pour d'aide aux radios associatives locales, ou enfin, c'est pas particulier à Bergerac, j'imagine? Non, c'est pas particulier à Bergerac. C'est de fait, les baissent, je dirais, de dotation partout, parce que bon, ben, quand on... Mais il y a un fonds spécial pour les radios, déjà. Voilà, oui, c'est donc... J'ai posé la question pour savoir si réellement l'inquiétude est avérée, et si elle est avérée, le pourquoi. Et puis, le projet prochaine loi de finances, c'est dans très peu de temps. Donc, bien évidemment, je vais relancer les cabinets ministériels qui n'ont pas répondu, parce que je veux avoir des réponses, ben, notamment là. C'est bien évidemment avant la prochaine loi des finances. C'est un peu paradoxal inquiéter. D'ailleurs, parce que nous, figurez-vous qu'on a bénéficié aussi récemment de subventions publiques du ministère de la Culture comme média de proximité. Et on fait partie des gens où le ministère de la Culture encourage les médias de proximité en ce moment. Et même les petites télés comme nous, on en profite, quoi. Donc ça m'étonne un peu que radio. C'est pour ça. À un moment donné, je suis interpellée par des syndicats, je suis interpellée... Bon, moi, je n'ai pas la réponse. Donc j'interroge votre le ministère qui va répondre clairement. Non, cette question n'est pas avérée. D'accord. Voilà, j'interroge. Tout simplement, c'est un véhicule qui nous est donné, et on peut poser un petit peu plus de 50 questions par an écrites. Je les utilise. Alors, autre point du national, médaille à votre veste de député, cette fameuse loi sur l'alimentation locale qui a été intégrée dans la loi Égalité et Solidarité, Égalité, Citoyenneté. Et Citoyenneté. Donc c'est fait, c'est voté, 40% d'alimentation locale dans les cantines, dont 20% bio. Les décrets vont sortir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors déjà, c'est voté à l'Assemblée nationale. Ah oui. Cette loi va passer au Sénat début octobre. Donc là, c'est la première lecture. Pour la dernière fois. C'est une loi égalité et citoyenneté. C'est une loi, celle qu'ils appellent en urgence, où il y a une seule lecture. Enfin, il y a une lecture avec retour à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que deux lectures... Après une commission des deux parlements pour éventuellement se mettre d'accord et remettre ça repasse à l'Assemblée, et à ce moment-là on remet très souvent tout ce que le Sénat a sorti. J'ai l'assurance que le fait que ça a été voté à l'Assemblée, ça sera voté. Dans très peu de temps, ce sera voté, les décrets d'application. Après, on peut s'interroger sur les délais des décrets d'application. Je dirais que de la même façon que j'ai travaillé beaucoup d'ailleurs pour la faire accepter dans cette loi, c'était très compliqué. C'était des amendements que je n'ai pu placer que carrément en toute fin de texte, parce qu'il fallait montrer le lien. Et pour moi, il y a un lien fort, mais il fallait que j'arrive à convaincre mes collègues parlementaires, et aussi, bien sûr, le rapporteur et le gouvernement du bien fondé de mettre ces amendements dans cette loi égalité-citoyenneté. Pour moi, c'est un acte citoyen d'intégrer 40% de produits locaux, dont 20% de bio, dans l'alimentation collective, parce que ça permet à tous d'y accéder. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde, en tous les cas, tous les enfants, beaucoup de personnes âgées, les personnes à l'hôpital, les personnes en prison. D'accord, c'est un pas de fait. Voilà. Mais en même temps, la loi ne fait pas tout. Est-ce que
Vous dites le projet alimentaire du Grand Bergeracois est en marche. Mmh. Et est-ce que réciproquement, le fait que des choses se passent sur le terrain peut faire accélérer aussi l'application de la loi? Oui, évidemment. D'abord, je n'aurais jamais porté cette loi si déjà sur le terrain, il n'y avait pas des trucs. Les, choses. Bon, les systèmes alimentaires territoriaux sont en place et travaillés, étudiés, en évolution sur toute l'agglo de Rennes, par exemple. Je suis allée à Lille, j'ai fait beaucoup de déplacements. Donc, il y a une volonté sur le terrain. Pas partout, évidemment, et c'est pour ça qu'en le mettant dans la loi, on met tout le monde à égalité. Donc le fait qu'il y ait déjà des choses en marche sur le terrain fait que la loi, en tous les cas, va être enfin adoptée. Un terrain et le fait que c'est adopté va faire qu'après, ça va se... Voilà. Mais bien évidemment, le travail n'est pas terminé. Bon, ça a été un long combat quand même cette année. Hein, entre. Et donc des trucs vont se passer là maintenant pour le Grand Bergeracois. Oui, alors les infrastructures déjà en place. Oui, le conseil alimentaire est en train de se mettre en place. Les groupes de travail commencent à plancher. Les uns sur la production, les autres sur comment on organise l'approvisionnement, les autres sur c'est quoi l'alimentation qu'on veut, comment on veut qu'elle soit produite, comment voilà. Donc, il y a vraiment des groupes d'usagers. À travers le pays Grand Bergeracois qui commencent à se mettre en place, et le conseil alimentaire va se mettre en place. Il y a une animatrice mise à disposition. Donc, il y a l'animateur du PGB donc, qui a un temps consacré à ça. Il y a aussi un temps d'animatrice donc, qui a été mis à disposition par la grande région. D'accord. Donc ça, c'est important, des moyens. Et qui sera dédié à ça. Et la raison de la grande région, tout simplement, Alain Rousset souhaite que, puisque c'est en marche en Bergeracois, comme il va falloir mettre en place un petit peu en mettant, ça devient un petit peu pilote. Et ça, d'accord, c'est extrêmement intéressant. Très bien. Eh bien, c'est un beau succès pour votre mandat. Par absolument. Contre, en fin d'année, c'est à ce moment-là qu'on devait se voir, ça a été un peu plus chaotique. D'abord, il y a eu le 49.3 que vous avez dénoncé. Ensuite, on ne sait plus trop où vous habitez parce que le groupe écolo a explosé à l'Assemblée. Il y a 6 députés qui ont rejoint le PS. C'était à ce moment-là qu'on devait se voir. Et puis, vous avez refusé... Ça y est, elle n'est plus dans le groupe. Vous êtes parmi les non-inscrits, comme on dit, c'est ça? C'est-à-dire que nous n'avons plus de groupe parlementaire fait du départ de ces 6 députés. Mais je croyais que Cécile Duflot devait plus ou moins travailler à reconstituer un groupe avec des frondeurs PS qui étaient sortis du PS. Est-ce que ça, c'est en marche? C'est en marche, c'est en train, mais bon, c'est plus compliqué de reconstituer un groupe dit technique, même. Puis bon, les députés du Parti Socialiste, de toute façon, pour eux, se mettre en dissidence du parti, auront-ils l'investiture la prochaine fois, hein? C'est les questions. On en parlera après, l'investiture. Donc voilà, je crois que... Moi j'ai compris que ça ne vous intéressait pas trop, ces affaires. Non, y compris d'avoir un groupe élevé. Pour moi. Vous regrettez quand même ça? Vous avez beaucoup moins de possibilités quand vous n'êtes pas dans un groupe. Absolument. De toute façon, nous avons beaucoup moins de temps de parole. Nous ne pouvons beaucoup moins nous exprimer. Nous avons les questions au gouvernement, par exemple, mais pas seulement. Les déclarations générales sur les textes de loi. Je dirais qu'il nous reste notre temps de parole en commission. C'est ça. Et puis, sur les textes de loi, quand on défend un amendement. Et puis votre mais ça n'est pas quand même le même temps de parole, donc on n'a pas la même façon d'agir. Moi, j'ai toujours dit que j'étais à l'Assemblée et j'y suis rentrée dans cet esprit pour être dans un groupe écologiste, ce que nous avions jusqu'à il y a quelques mois. Et j'ai tenté, à ma façon, à mon niveau, de convaincre les uns et les autres d'éviter l'implosion, cette rupture. Je dois reconnaître que je n'y ai pas réussi, mais je n'étais pas la seule à partir du jour où nous n'avons plus ce groupe là en reconstituer un autre qui n'est pas un groupe politique ne m'intéresse pas, en plus, parce qu'un groupe politique, on a aussi une réflexion politique. Oui, d'accord. Voilà.
Non mais là c'était des stratégies, chacun se rejetait la faute entre les pro-gouvernements. Comment vous analysez cet échec, ou cette rupture, ou cette, cette implosion? Pour moi c'est vrai que, moi je le vis en tous les cas comme un échec des écologistes, parce que je trouve que c'est quand même, c'était quand même une grande victoire d'avoir, d'avoir réussi à avoir le premier groupe parlementaire écologiste à l'Assemblée nationale, une fierté aussi d'en faire partie. Ce qui fait que de l'extérieur, on comprend mal comment c'est possible, puisque à peine fait... C'est la loi travail qui a fait exploser le... Ou est-ce que c'est des tensions de pouvoir personnel entre Cécile Duflot et les députés qui étaient plutôt pro-gouvernement, est-ce que, enfin des choses qui nous dépassent complètement d'ailleurs. Je crois que oui, si c'est plus des difficultés de compréhension et de stratégie à porter, de stratégie pour porter le projet politique. Je crois que sur le projet politique écologiste, il n'y a pas, bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'écart de fait. Ben, on portait tous la même chose dans la loi transition énergétique, on a tous porté les mêmes amendements. Enfin bon, il n'y a pas eu de conflit sur le fond. Donc en fait c'est sur la stratégie qui est de dire est-ce qu'il vaut mieux être à l'intérieur d'un gouvernement pour porter le projet politique écologiste pour gagner des choses, ou faut-il être séparé. Et c'est vrai que ça va même un peu plus loin, parce que c'est peut-être le destin français, puisque les Allemands eux l'ont fait, ils ont fait un parti écologiste qui tient la route depuis très longtemps. La France n'a jamais, la politique française n'a jamais réussi à faire une place à un parti écologiste qui puisse durer et qui puisse avoir une histoire, etc. C'est toujours ce qu'on vous reproche, c'est on vous dit mais l'écologie elle vous appartient pas, elle appartient à tout le monde, donc c'est pas la peine de faire un parti écologiste. Elle appartient à tout le monde, sauf que bon, moi ce que je vois c'est quand même c'est que les partis plutôt dits libéraux capitalistes, eux ils regardent l'intérêt immédiat, leur intérêt immédiat d'ailleurs, personnel. Donc je vois mal comment on peut construire un projet écologique à partir, déjà rien que dans cet esprit de l'intérêt personnel, financier, immédiat, déjà. Donc on pourrait penser qu'à gauche, où on est plus sur l'intérêt général, social, socialiste, ces questions d'écologie sont permanentes. Or, le constat... C'est pas vraiment ça, c'est que en fait, je pense que au niveau de la gauche en général, ils n'ont pas intégré le fait que c'est un changement fondamental de pensée, c'est que on est complètement lié à la nature, à la terre, à la planète, à son fonctionnement, et que notre développement universel et que le bien collectif ne peut ne peut être atteint que parce que on respecte cela, et donc on peut construire une société en respectant notre planète, parce que notre planète c'est quand même la question, notre condition de vie. Il n'y en a pas beaucoup apparemment, enfin tous les cas on n'en connaît pas. Moi quand je regarde le ciel le soir, vous voyez, l'été on a des même l'hiver d'ailleurs, les soirs, quand on se dit on est au milieu de l'univers, et on est là vivant sur une terre. D'accord, c'est merveilleux. Nous partons pas dans la... Donc on respecte, non mais dans le lyrisme, donc on doit respecter ça. On doit construire notre vie là-dessus. La question était, est-ce qu'un parti... Enfin, vous regrettez... Mais donc c'est la place d'un parti politique, puisque moi ce que je vois c'est que... Qui lui n'est pas planétaire, hein, il est... Non, il peut l'être d'ailleurs. Il est parti. Oui, mais on peut donc construire justement un projet politique à partir de l'idée que on... D'accord. Le développement... Non mais c'est vrai que ça a marché en Allemagne, mais pas en France. Le développement humain peut se faire justement en respectant ce qui fait notre vie. Donc on peut bâtir tout un projet politique, économique, social, à partir du simple fait qu'on vit sur une planète et qu'il est important pour tous les êtres humains de respecter cette planète. Donc à l'horizon, vous souhaitez que EELV demeure, grandisse, fasse un peu plus de succès aux élections, etc. quoi. Ah ben, pour moi, c'est une évidence que effectivement. À partir du moment où je fais le constat moi, qu'aucun autre parti n'a cette façon de voir les choses, il faut qu'il y ait un parti. Si jamais vous vous représentiez, vous vous représenteriez sous l'étiquette EELV.
Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Tout en n'étant pas adhérente, on rappelle, à ELV, c'est ça? Je suis adhérente à ELV depuis 2 ans. Il n'y a pas de groupe parlementaire, mais bon, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de groupe parlementaire. Oui, donc, bon, en revenir à cette, pour terminer sur cette question-là, le clivage, il était aussi au moment de la loi travail, parce que ces 6 députés ont soutenu, vous avez dénoncé le 49-3. Est-ce qu'il y avait aussi un autre clivage par rapport à la prolongation de l'état d'urgence. De l'état d'urgence. En juillet, vous n'avez pas participé au vote, vous n'étiez pas à l'Assemblée pour des raisons personnelles, vous n'avez pas donné de délégation. En fait, vous n'avez pas pris part au vote. Alors, au mois de juillet, je trouvais que la tension était telle. Je trouvais vraiment que c'était dommage qu'on remette ce débat. Parce que effectivement, l'état d'urgence aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'état d'urgence. C'était avant l'attentat de Nice ou après? Non, c'était après. C'était juste après. Juste après, alors que l'état d'urgence devait être terminé. Oui. Façon, rien que l'expression état d'urgence dit bien par sa définition, par l'étymologie, que ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Or, l'état d'urgence dure maintenant depuis plusieurs mois et je trouve que c'est pas normal qu'on soit comme ça en état d'urgence. D'abord, ça montre que, ben, malheureusement, ce qui s'est passé à Nice montre que l'état d'urgence ne résout pas tout, n'empêche pas tout. Qu'on soit clair, les troupes françaises, au milieu d'une coalition internationale, sont en Syrie, sont en Libye, et chaque fois qu'on annonce, d'ailleurs, la mort d'un des chefs d'Al-Qaïda, mais de Daesh, ben, on sait que ça, forcément, le terrorisme va venir. Enfin, c'est la réponse souvent de. C'est la réponse de Daesh. Hein, c'est semer la terreur, ni plus ni moins. Donc, plus nos troupes sont présentes avec la coalition internationale pour enrayer Daesh, et plus ça sera difficile. Et on sait que malheureusement, il y aura très certainement d'autres attentats. Vous regrettiez... Seront-ils à Bergerac? Seront-ils à Paris? Seront-ils à Vous regrettez cette... Je ne sais pas. Vous regrettez qu'on ait mis quand même la question sur le tapis, mais au fond, c'est quand même pas mal qu'on demande aux députés, tout de même. Je veux dire, c'est la moindre des choses. C'est obligatoire. Oui, pour la prolongation qu'on demande votre avis. Ah mais, votre autorisation. Moi, ce que je regrette, c'est que l'état d'urgence tel qu'on l'avait voté pouvait s'arrêter, point final. Sauf attentat, boum, ça repart. Oui, mais alors si à chaque attentat, oui. Alors que nous avons, enfin, plusieurs lois, nous avons voté plusieurs lois pour lutter contre le terrorisme, il y a eu beaucoup de personnes embauchés dans la police, dans la gendarmerie, il y a aussi les services renseignement, qui ont été augmentés, etc. Mais il n'empêche que ce risque-là, parce que notre pays est en guerre à l'extérieur. Moi, j'ai un peu de mal quand les gens disent « mais non, notre pays n'est pas en guerre ». Mais si, notre pays est en guerre, pas sur le terrain national. Mais notre pays est engagé dans cette guerre. On ne peut pas dire le contraire. Notre pays est engagé dans cette guerre. Vous pensez en tout cas que ce Patriot Act à la française, qui est sur la durée, peut nuire aux libertés individuelles de manifester éventuellement, parce qu'on se souvient... Nuire aux libertés individuelles de manifester. Je crois que les commerçants à Paris peuvent attester que ça nuit aussi à notre économie touristique. Plus les gens ne viennent plus à Paris. Pas simplement parce qu'ils ont peur de venir à Paris. Quand on est dans un pays étranger et qu'on demande un visa touristique pour aller dans un autre pays, vous savez, on a toujours la liste des pays où c'est plus dangereux, où l'assurance est plus chère, etc. Quand on est en état d'urgence, quelque part, c'est pas très encourageant. Alors bon, finalement, on a quand même des touristes qui sont venus dans nos, dans nos contrées. Donc, je dirais que... Mais bon, voilà, quoi. Crois que c'est pas sérieux de rester en état d'urgence aussi longtemps. C'est même très dangereux à une période préélectorale où, effectivement, on sait très bien que cet état d'urgence pourrait être utilisé à très mauvais escient. Voilà. Y compris par ceux qui s'en plaignent. Oui, c'est ça. On va pouvoir faire la transition avec le local, parce qu'entre l'état d'urgence, la loi travail, vous êtes quand même assez loin de votre suppléant. D'ailleurs, il le dit dans le...
le petit mot. On a des divergences politiques, mais il vous soutient quand même. Est-ce que c'est tenable d'avoir des divergences aussi fortes comme sur la loi travail ou sur l'état d'urgence? Sachant que Christophe Catus, il n'est pas là, mais est plutôt hollandiste. Enfin, il défend la politique. Mais il obéit à son parti qui n'est pas EELV. Oui. Donc voilà. c'est quand même un écart qui devient de plus en plus intéressant. Qu'on soit clair, beaucoup de socialistes n'ont pas soutenu très fort la loi travail. Très c'est clairement. Vrai, c'est vrai. Donc là-dessus, et puis je peux vous dire que j'en rencontre tous les jours, qui dans la rue me remercie, me félicite et dit c'est courageux. Bon, ce qu'on peut regretter effectivement, c'est que des députés donc de la majorité n'aient pas eu le courage de s'y opposer plus. Parce que effectivement, ce n'est pas une loi socialiste. Première chose, ce n'est pas une loi socialiste. Et deuxième chose, effectivement, alors, utiliser le 49.3, c'est prévu dans la Constitution. Mais l'utiliser avant même qu'il y ait le débat à l'Assemblée nationale, alors là, je dois dire que quand même, c'est là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, en tout cas, il doit y avoir des discussions assez importantes avec votre suppléant à ce moment-là. Non, pas forcément. De toute façon, bon, il est votre suppléant et puis c'est vous qui appuyez sur le bouton. Non, mais vous lui poserez la question si vous donnez la loi travail, mais qu'on soit clair. Lui, comme beaucoup d'autres socialistes, ne soutiennent pas la loi travail. Bien. Bon, ben alors. Ce qui nous permet d'arriver au local, Gilles, allons-y. C'est quoi le local? Enfin, le local et national, c'est ce qu'on vous avait annoncé jeudi. Voilà, on a appris avec des espoirs profonds. J'ai appris avec des espoirs profonds que vous vous représentiez, c'est vrai? Parce qu'il ne faut pas croire ce que les journaux disent, donc je l'ai lu dans le journal, c'est peut-être pas vrai. Alors, on soit clair, hein, comme je le fais d'habitude maintenant, deux fois par an, je donne un rendez-vous à la presse, un en septembre et un en fin ou début d'année, ça dépend, pour faire un petit point, effectivement, à la fois de mon travail des 6 mois passés et puis des perspectives à venir. Et bien évidemment... la presse était plus intéressée à me poser la question de savoir si je serais candidat. Je ne vous le fais pas dire. Ou pas. Donc, évidemment, tout ce que j'ai pu leur raconter avant aucune n'était importance. Certainement pas très intéressant. Mais par contre, ce qui intéresse, c'est la course de chevaux. Voilà. Bon, alors, bon, j'ai répondu que je ne suis pas candidate aujourd'hui. Je suis pas en campagne, clairement. Je serai candidate. Je dis clairement, je serai candidate. Pourquoi? Comme ça entre nous, hein. Nous c'est on n'est pas des journalistes. En dehors de la caméra, n'est-ce pas? Non, mais je veux dire, on s'en fout de la course des petits chevaux, nous. Mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous vous décidez. J'ai cru comprendre que votre argument, c'est « on me l'a demandé, les gens me le demandent », c'est ça? Oui, entre autres. Entre autres, je suis assez surprise et touchée d'ailleurs. Hein. C'était l'argument de Daniel Garry qu'on s'est représenté. C'est pour ça qu'on va creuser un petit peu. Je dis clairement, une candidature ne fait pas une élection. Hein, je veux dire, bon, on est candidat et puis après... Mais moi, je suis assez surprise et touchée du fait que des gens m'interpellent dans la rue. En disant Brigitte reste s'il te plaît. Quand je vais faire mes courses. Non. Parce que si Brigitte reste s'il te plaît, ça c'est les gens qui me connaissent. Ah oui, d'accord. D'accord. Et ça, bon, c'est gentil. C'est normal. Mais quand je suis dans un supermarché et puis que des personnes viennent me voir, excusez-moi, vous êtes bien la députée, oui. Ben, je voulais vous dire merci pour ce que vous faites. Bon. Voilà, juste ça. Ouais, ce sont des gens que je ne connais pas. Voilà, ce sont des gens que je ne connais pas et qui m'interpellent, qui viennent timidement, est-ce que c'est bien la députée? Et alors, il y en a même qui me disent, ah bon, mais vous faites vos courses? Ben oui, je fais mes courses. Donc, comme ça veut dire moi-même, avec mes propres jambes. Vous avez plutôt bien rempli votre mandature, mais bon, pourquoi alors, un second cycle? C'est vrai aussi, par exemple, l'autre jour, la semaine dernière, j'étais aux journées d'été des écologistes, et les écologistes aussi me disent ça. Alors que je suis peut-être un peu atypique, effectivement, je rentre pas dans ces... je me dis, bon, parce que bon, moi, je n'ai pas fait carrière en politique, j'ai essayé de construire mon mandat comme il me semble que je dois le conduire.
Et je reçois voilà, des réponses plutôt de gens qui me disent ben, ça nous fait plaisir. Il y a d'autres raisons ça encore. Ça nous fait plaisir, vous êtes accessible et puisque vous portez, c'est vraiment des choses qui, qui nous parlent. Voilà, quand je parle du désert médical, quand, ben, ce sont des. Tout simplement, pourquoi j'en parle ? Parce que des personnes sont venues me voir, parce que à mes réunions publiques, les gens en ont parlé. Voilà, tout simplement. Non, mais vous pourriez. Alors, après, les autres raisons profondes, ben, c'est tout simplement que je considère que, effectivement, il y a encore besoin, plus que jamais, d'une parole des écologistes dans l'hémicycle, quelle que soit d'ailleurs la configuration de l'hémicycle, que je pense que on risque d'avoir une configuration de l'hémicycle qui sera plus compliquée, je le crains, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça sera une autre configuration. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il vous paraît que vous êtes le meilleur cheval pour ELV ? Parce que ce projet peut être porté par une autre personne qui aurait ce même projet écologiste. Alors, qu'on soit clair, moi j'en ai parlé avec le groupe écologie d'Europe Écologie Les Verts, du Bergeracois, mais aussi de Dordogne et d'Aquitaine. Donc voilà, je veux dire... Donc, je n'aurais pas annoncé, je serai candidate il y a deux jours à la presse si je n'en avais pas parlé avec les différents échelons que je viens. Vous voulez dire que vous êtes allé demander l'autorisation du parti ? Pas du tout. Ah bon ? Non, on en a parlé. Il y avait les journées Europe Écologie Les Verts, ça a permis de rencontrer le groupe d'Aquitaine. Nous avons pris un déjeuner ensemble parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers où on ne se croisait pas forcément. Donc au moins, le temps d'un repas, nous avons échangé ensemble et donc ils m'ont dit bah, « oui, nous souhaitons que tu sois candidate, très clairement ». Je vais rencontrer le groupe de Dordogne d'ici quelques jours, mais notre assemblée générale, il y a quelques mois, avait confirmé le souhait que je sois candidate. Le groupe de Bergerac le souhaite aussi, voilà. Donc, j'ai pas demandé l'autorisation. D'accord. Très bien. Donc, vous n'en avez pas tout à fait assez de ces machins politiciens. Vous dites que ça vous intéresse pas beaucoup. N'empêche que vous voyez bien que ça continue de plus belle avec les élections présidentielles et législatives. Ça a déjà commencé. Et donc, voilà, ça ne vous... Le côté cumul même deux fois de ce mandat, répétition... Alors, qu'on soit clair, j'ai participé aussi au débat sur le cumul du mandat, d'ailleurs, qui était tout à fait en début de la mandature, donc qui nous a permis donc d'avoir quelques avancées, loin de celles qu'on voulait. C'est ça. Mais en tous les cas, nous n'avons jamais porté l'idée qu'il ne fallait avoir qu'un seul mandat. Et je vais vous dire... Quand on s'installe dans une permanence, qu'elle est vide, que moi je connaissais un certain nombre, d'abord une campagne électorale permet de connaître un certain nombre de partenaires, un certain nombre, mais pas tous, loin de là, ça met du temps. C'est ça. Ça met du temps. On met bien quelques mois quand même à commencer à connaître les élus aussi, les élus, mais aussi les chefs d'entreprise, puis les associations sur le terrain, tout ça. Donc, y compris au niveau sur le terrain, quelles sont les personnes que je peux rencontrer par rapport à tel ou tel texte de loi, par exemple, ce que je fais moi. Bon, eh bien, ça prend du temps. Ça s'appelle l'expérience, donc, oui, c'est ça. Je considère, moi, que le fait de faire deux mandats, est plutôt productif à tous les niveaux. Alors c'est l'argument de l'expérience, c'est l'argument de on ne recommence pas à zéro, mais vous pourriez très bien tuiler un autre candidat ELV avec les réseaux que vous avez. Oui, bien sûr, mais ce que je ferai certainement par la suite. Mais bon, voilà quoi, je crois qu'à un moment, il y a besoin aussi d'une certaine stabilité. Franchement, je trouve que 5 ans, c'est très très court. D'ailleurs, on le voit bien, on est en période électorale quasi permanente. On est à un an de ces législatives. Et à nouveau,
Et je trouve que ça, ce n'est pas très sain, ce n'est pas très bon. Moi, personnellement... Non, mais comment pouvez-vous faire autrement? J'ai déjà vu qu'avec la candidate LR, vous vous envoyez déjà des charmants noms d'oiseaux par réunion publique interposée. Moi, un journaliste me pose une question, comme vous répondez. Le faites, j'ai répondu. Je ne lui ai pas envoyé de lettre, je n'ai jamais évoqué son nom et je ne le ferai pas. Croyez-moi que lundi prochain, je serai en réunion publique. Ouais. À Saint-Georges-de-Montclar, nous allons parler tourisme et d'autres choses, comme on le fait aujourd'hui. Et donc, je répondrai aux personnes qui sont dans la salle. Personnellement, je ne vais pas parler de tel ou tel candidat ou candidate. Ça ne m'intéresse pas. Non, bien sûr. Moi, je parle de ce que je fais. Ça n'intéresse que les journalistes. Ouais. C'est bien connu, c'est vrai. Et juste pour compléter ce que disait Gilles, excuse-moi, Gilles, mais... vous m'aviez dit en juin juillet que vous en aviez un peu marre, vous ne voulez plus aller à l'Assemblée avec tout ce bazar idéologique, politique, stratégique, il y avait un ras-le-bol que vous ressentiez en juillet, je me suis dit tiens là peut-être qu'elle va lâcher, ça serait très bien. Non mais c'est pas une raison pour lâcher. Non, un mois après c'est reparti. Non, qu'en juillet on en est un peu marre et je dirais tous autant qu'on est parce qu'effectivement d'abord... je crois qu'on légifère beaucoup trop, donc on légifère certainement mal. Cette bousculade de textes de loi qui, je trouve que c'est pas là aussi, hein, je pense qu'on ne s'inscrit pas suffisamment dans le temps de la réflexion et on construit la loi trop mal à mon avis. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à changer dans le... au mois de juillet, dans une ambiance que vous avez évoquée, donc un groupe parlementaire qui éclate, le fait qu'on nous remet à nouveau cette question de l'état d'urgence, cette loi travail où je considère effectivement que nos partenaires de la majorité n'ont pas eu ce courage qu'ils auraient dû avoir vis-à-vis d'un gouvernement qui n'a pas porté une loi de gauche. Il y a des moments où on se dit non mais c'est n'importe quoi. Et puis très clairement, oui, notre constitution, enfin il y a des choses à revoir. On a un parlement qui n'a pas suffisamment sa voix. Le prochain mandat risque d'être un peu moins rigolo que le premier, parce que, comme vous dites, ça va être plus compliqué. Alors, probablement. Le mot rigolo, moi je n'ai jamais trouvé ça très rigolo. Je ne dis pas que je me suis ennuyée, loin de là, je ne me suis jamais ennuyée. Je ne m'y ennuie pas, je m'y investis à fond. Et donc je dirais que quelle que soit la configuration, je m'y investirai, qu'on soit clair. Je pense que... Certainement, et justement je l'évoquais avec Christophe Catus, ce qui a été néfaste, c'est le fait que le Parti Socialiste n'avait besoin de personne à l'Assemblée nationale pour avoir sa majorité. Au niveau de la grande région, le Parti Socialiste seul n'a pas la majorité. Et du coup, ça oblige à des débats, mais les débats, ça, des fois on n'est pas d'accord, mais ça c'est normal, c'est le débat, c'est ça qui fait qu'on construit, et qu'on construit quelque chose ensemble. On essaie de trouver ce sur quoi on est d'accord. Ouais. Alors que quand un parti tout seul fait sa majorité, du coup, il a oublié, des accords, des engagements sur lesquels... Demandez à l'Espagne, ils en savent quelque chose. Voilà. Et ça, je pense que ça a été vraiment... ça n'a pas été amusant, parce que le départ... Du coup, ça va peut-être être plus intéressant. Ce côté, de fait, il allait vraiment falloir faire sa place pour que, on rappelle à cette majorité que dans cette majorité, nous étions là. Moi, je ne suis pas désespéré, rassurez-vous, de votre représentation. C'est vrai que je pense que vous êtes une très bonne députée et qu'il y en a sûrement quelques-uns comme vous, mais ils ne sont peut-être pas si nombreux que ça. J'espère qu'il y en a quelques-uns comme vous. Mais ce qu'il y a, c'est ce foutu renouvellement de la classe politique, qu'on attend toujours. Il n'y a qu'à voir les candidats aux présidentielles, c'est toujours les mêmes. Et quand ce n'est pas les mêmes, c'est encore les mêmes, même s'ils ont 30 ans, peu importe. Mais... Voilà. Donc, j'espère qu'avec un second mandat, parce que je suis sûr que vous allez être réélu, en tout cas, vous ferez un effort pour
Pour faire ce que tout le monde dit, hein, cette démocratisation de la démocratie, parce que votre papier, il est gentil, mais il est quand même entièrement à votre gloire, quoi. Hein, on ne voit que Brigitte Hanin qui fait des choses formidables. Et ça, par exemple, c'est pas très bon signe. J'espère alors, que je ça... Alors, je ne sais pas, parce que, alors, bon, je sais pas... C'est de la pub, ça, quoi. Bon, vous le prenez comme vous voulez, mais qu'on soit clair, il y a le rôle de la presse. De toute la presse. Ah, mais dont, ça, c'est pire encore. Dont la vôtre avec votre. Non, pas nous. Non. C'est, vous n'êtes pas là. On n'est pas là, nous. Bon, moi, j'ai l'impression d'être chez Chancel, c'est merveilleux. Vous vous rendez compte Chancel. Qui a eu la chance Jacques de venir Chancel. 5 fois chez Chancel. Il est mort, le pauvre garçon. Oui, mais vous voyez. Le Dieu bon, tout ça. En tous les cas, non, la presse, elle doit faire son travail. Moi, ce que je fais, j'informe mes concitoyens du travail que je fais. Je ne vais pas dire, mais vous voyez, franchement, j'ai négligé ça, machin. Parce que non, j'ai rien négligé. Enfin, moi, je considère que je n'ai rien négligé. Mmh. Quand je fais une lettre à mes concitoyens pour leur dire, ben, pour rendre compte de ce que je fais, des positions que j'ai prises aussi. Non, mais j'entends bien. Des positions que j'ai prises par rapport à l'état d'urgence, des positions que j'ai prises par rapport aussi à la déchéance de nationalité, des positions... Voilà. Par rapport à la loi travail, etc. Donc, je ne sais pas si c'est à ma gloire. Non, je dis clairement, voilà les positions que j'ai prises. Elles plaisent ou elles ne plaisent pas. C'est un peu à votre gloire. Je dirais qu'on vient de parler de la majorité et de l'opposition, ça ne leur plaît pas, certainement. Mais je ne vous en veux pas pour ça, c'est très bien. Mais en tous les cas, je vois mal comment moi je peux informer mes concitoyens, en dehors des réunions publiques, vous le savez, dans une réunion publique, quand 20 personnes viennent, les gens, ils ont plein d'autres choses à faire dans la vie que de venir à la réunion de la députée. C'est très difficile à inventer ce qu'on appelle la démocratie participative, le partage du pouvoir, etc. Je reconnais que c'est pas facile du tout, et probablement c'est à inventer. Mais voilà, bon, ce brave Christophe dit le sens profond de notre action pour vous et avec vous. C'est à moi qui cause, bien entendu, à moi qui suis en train de le lire. Mais il ne dit pas par vous, quoi. Il dit pour vous et avec vous, mais pas par vous. Et j'espère. Précisément, moi, j'ai mes réunions publiques, il y a des gens qui me disent voilà. Mais c'est quoi le lien avec ton travail à l'Assemblée? Je dis d'abord parce que ce que j'entends dans les réunions, un jour ou l'autre, oui, ça me sert à l'Assemblée. Mm-hmm. Mais voilà, quand on va faire une réunion sur le tourisme, moi, franchement, voilà, c'est dire aux gens. La question de comment se développe le tourisme sur ce territoire, ça ne concerne pas que les professionnels du tourisme. C'est politique. C'est politique, ça vous regarde. Et venez en parler. Voilà. Venez. Bon, donc dans mes réunions publiques, je considère que justement, je parle très peu dans mes réunions publiques. Je viens entendre ce que disent les gens et c'est un échange permanent. Donc évidemment, je parle certainement plus. J'espère que c'est ça qu'il faut creuser pendant 50 plus. Mais bon, voilà. Mais pour autant, voilà, quand il y a 20 personnes ou 30 personnes qui viennent, je suis désolée, mais et là encore, c'est difficile. C'est difficile parce que les réunions publiques auxquelles on assistait à peu de réunions publiques. Il y a votre propos, il y a un long monologue, et après on sent que... Non, il n'y a pas un long monologue. Alors, bon, un petit monologue, et après on sent que... Enfin, ce que j'ai vu, j'en ai pas vu beaucoup, le public, enfin les gens qui sont là, ont du mal à poser des questions. Je me souviens même qu'ils vont vous voir à la fin, quand c'est le pot, hein, pour vous parler, c'est quand même difficile à inventer ce rapport normal. On sait quelque chose, on peut vivre... Ouais. Non, parce qu'il se demande s'il ne va pas se présenter contre vous. Donc, c'est son idée. on peut peut-être achever sur une question internationale, globale, exoplanète comprise. Il y a un truc qui est bon signe et mauvais signe. À mon avis, c'est mauvais signe. C'est que les deux premiers signataires de la COP21, c'est les deux qui avaient refusé de signer le protocole de Kyoto, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis qui viennent de signer. Tu t'en plains? Ben, je m'en plains, je trouve que c'est à mon avis. Enfin, je m'en plains. Ah bah non, je pense que c'est un faux semblant, une vitrine. Vous en avez peut-être parlé à l'Orient. Enfin, j'imagine que vous en avez parlé à l'Orient. Moi, je suis assez pessimiste Vitrine un peu moins trompeuse que Kyoto, qui était carrément. Est-ce que vous en avez, j'imagine, parlé aux journées d'été? Non, le jour où on signe, où on ratifie, etc., c'est un engagement d'un État. Et ça veut dire qu'après. Il est amené à porter des politiques pour faire en sorte que, parce que c'est pas Obama, c'est pas qui va, il faut qu'il
Après, que les entreprises, par exemple, l'impact de, ben, de, des entreprises, l'agriculture, le, bon, nos façons de nous déplacer, donc les politiques locales, après, se mettent en place pour atteindre cet objectif. Alors, on peut toujours dire c'est du blabla, c'est... Ou une façon non, à un moment donné, c'est aussi un engagement. Et il suffit de rencontrer, comme on l'a fait la semaine, en début de semaine, on a été convoqué, j'appelle ça une convocation, par la FDSEA ou la FRSEA sur une ferme, pour nous dire, voilà, et quand on entend tout le mal qu'ils pensent de toutes ces réglementations qui les empêchent de faire... D'accord. Bon, et ben, à un moment, on se dit, ben oui, bien sûr, on voudrait bien avoir les aides de la PAC. Il faut rien changer, hein, des aides à l'hectare, n'est-ce pas, comme ça, plus on a d'hectares et plus on a d'aides. Et puis, quand même, ben, ils vous disent, mais attendez, nous, on a des... la vallée de la Dordogne, elle est étroite, alors vous comprenez, s'il ne faut pas cultiver à moins de 5 mètres de, du bord de la rivière, ben, c'est embêtant. Ben oui, mais sauf que la rivière, elle appartient pas qu'aux agriculteurs, elle appartient à tout le monde. Et ça, et quand on est agriculteur, je crois qu'il faut prendre en compte le fait que on est une profession, certes, mais au service de la société. Et qu'il faut en vivre, effectivement. Il faut en vivre. Mais on doit tout prendre en compte. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Christine va ajouter quelque chose. J'ai complètement oublié de dire que Christine était derrière la caméra. C'est pas bien de ma part. Elle a failli intervenir, mais... Elle va se saisir du micro pour poser une question. Christine va venir faire Jacques Chancel. Elle a peur. Jacqueline. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour lui dire, mais vas-y. Moi, ça me plairait bien. Elle dit bien. Non. C'est parce qu'elle ne veut pas se voir à l'image. Oui, mais moi non plus. Public, hein. Moi j'ai pas choisi ça. Ouais, mais bon, c'est bien aussi d'être interrogé avec un burkini peut-être. Oh, ben, moi si j'avais des burkinis, peut-être j'irais à la piscine de Bernard. Vous voyez, on n'a pas parlé de ça, tiens. Oh, bon, peut-être il passe. On a bien fait. On a bien fait. Je pense qu'on a bien fait. Quelle connerie. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Merci encore. Merci à vous. Pa para pa pa peri pa ta pa parure parere to pepe paribore pepe ro po po pero po pete pra pa 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 pripute pe pa pa pripute pe pa pa to pepe paribore pepe ro